Bonjour, je me présente Alexandre Castiot, le patron de Lines Traiteur. Voilà, vous êtes dans mon établissement, donc j'ai une salle de banquet à Ville-sur-Rennes, une capacité jusqu'à 220 personnes. Nous officions en général dans le service événementiel, donc du repas à domicile, de 10-15 couverts, jusqu'à des gros événements, jusqu'à 1500-2000 personnes, pour des gros congrès. Voilà, donc on travaille un peu tout type de cuisine, cuisine française, cuisine du monde. On est aussi assez fort pour les mariages. Pareil, on bouge pas mal dans toutes les salles de notre région et bien au-delà. Et donc voilà, on a ici dans ma propre salle, on a un joli jardin, pas mal de capacités. On peut utiliser ce domaine pour tout type d'événements, anniversaire, réunion de travail, mariage bien sûr. Donc voilà, les gens ne nous connaissent pas spécialement, mais nous officions dans pas mal d'endroits et nous avons beaucoup de possibilités à vous proposer pour tout budget, voilà, tout simplement. Alors, vous aviez participé au jeu de la commune par rapport au commerce des commerces locaux, pardon. Et donc, j'ai deux gagnants. Donc le premier, pour une valeur de 100 euros, Boris Brand. Et la deuxième personne, toujours pour 100 euros, Monsieur Jean-Pierre Sauvage. Voilà, je vous félicite tous les deux à retirer votre bon de 100 euros. Bienvenue chez Coiffure Nathalie. Donc, je suis coiffeuse d'âme. Je réalise tout ce qui est coiffure, brushing, mise en plis, coupe permanente, balayage, coloration. Je coiffe aussi les enfants. Je me rends à domicile également et je suis pédicure médicale. Voici donc les deux gagnants du grand jeu des commerçants. Il s'agit de Dufour Xavier qui remporte un bon d'une valeur de 50 euros et de Dambremé Olivier qui remporte également un bon d'une valeur de 50 euros. Bienvenue au 18e siècle. Ben voilà, ici on y trouve une cuisine familiale et typique italienne. On a une terrasse à l'avant pour la taverne et à l'arrière pour le restaurant, dans un cadre chaleureux. Ben voilà, je suis très contente de vous annoncer le nom des gagnants. Alors la première est Nicole Demeneur. Elle a gagné un chèque de 50 euros à consommer côté taverne. Ensuite, la seconde, Pierre-Mans Léa, également un chèque de 50 euros pour la taverne. Ensuite, il y a Mule Béatrice qui a gagné un chèque d'une valeur de 100 euros pour le restaurant. Et De Cook Valérie, également un chèque de 100 euros à venir consommer au restaurant dès la réouverture. Bienvenue à l'horticulture Autonov située à Ville-sur-Rennes. Nous vendons des fruits et légumes, nous sommes producteurs de chicons, de chrysanthèmes, de plantes annuelles. Nous vendons également du terreau, des engrais, des légumes à repiquer. Alors les deux gagnantes du jeu des commerces d'Ureux sont Claudine Silver et Céline Staquet qui remportent toutes les deux un chèque de 30 euros à valoir dans notre établissement. Voilà, vous êtes bien en fleur capucine à l'Heureux. Ça va faire cette année 20 ans que je suis ici au Heureux parmi vous. Si vous avez besoin de fleurs, si vous avez besoin pour quelle que soit quelle occasion, vous pouvez nous contacter, nous suivre aussi sur la page Facebook sur Fleur Capucine. Voilà, je vous annonce les gagnants du grand jeu des commerces d'Heureux. Donc il s'agit de Netbrook Céline et Ravaldi Stéphanie. Toutes les deux ont gagné un chèque cadeau au magasin de 30 euros. Bonjour, bienvenue au restaurant Bordelot. Nous sommes un restaurant de spécialité méditerranéenne, principalement tourné sur la cuisine italienne, et également des spécialités de viande étrangère et de poissons frais. Vous voyez ici, nous mangeons dans un cadre bucolique avec une vue sur l'étang qui s'appelait anciennement les Attentes Flaviens. Et je vous annonce le nom des deux gagnants du grand jeu des commerçants du Rue, qui ont gagné un repas pour deux personnes d'une valeur de 100 euros. Ces deux gagnants sont Geneviève de Skerder et Madame Franck Patricia. Bienvenue chez Carly Activity, nous sommes négociants en matériaux de construction.
Nous proposons tout type de matériaux pour le professionnel et pour le particulier. Nous sommes ouverts tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à midi. Je vous annonce le gagnant du chèque cadeau de 50 euros chez Carly Activity. Le nom est Devray Nathalie. Elle remporte un chèque de 50 euros. Bonjour, bienvenue dans mon institut, l'espace bien-être et esthétique Irina Renaud, c'est mon nom. Je suis massothérapeute, esthéticienne et énergéticienne. Donc depuis 35 ans environ, je pratique les différents massages, massage de détente, massage Tuna qui est un massage énergétique chinois, le massage pour les femmes enceintes, la réflexologie plantaire, la relaxation coréenne, et le Reiki, qui est plus un équilibrage énergétique. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que pour être bien dans sa peau, il fallait aussi prendre soin de la peau, savoir comment la soigner. Et j'ai refait des études d'esthétique, donc avec l'idée de proposer des soins bio, évidemment, toujours pour la santé préventive et le bien-être. Et j'ai découvert Phytosyn, qui est un concept et des produits qui sont basés sur la médecine énergétique chinoise, avec tous les principes des cinq éléments, l'équilibre du yin et du yang. Donc quand on reçoit un soin esthétique, c'est beaucoup plus que juste travailler sur la peau, mais c'est un équilibre complet qui rééquilibre toute l'énergie du corps suivant les saisons. C'est en harmonie avec les cycles des saisons et des cinq éléments. Les cinq éléments correspondent à cinq saisons en médecine énergétique. Merci pour les chèques cadeaux. Voilà, les gagnants sont Patricia Franc pour un chèque cadeau pour un soin visage Phyto 5 et Devray Nathalie également pour un soin visage. Merci beaucoup et à bientôt.